damay tenir encore à saluer sama collaborateur yi nga xamni def nañ de sorte que li nga xamni la jot nit ñuko par la loi moy ñu parrainage parrainage citoyen amna parrainage par des députés amna par des élus locaux amna ñet yoy la. Malheureusement dans ce Sénégal on n'a pas trop mis l'accent sur des choses yo xamni il fallait faire un choix on ne peut pas bayyi ñen ñi ñi nek fi di nek fele mais bref lolu motax parrainage bi yombul ñepp xawax nañ ko. Tout a été fait pour que ñi nga xamni ce sont des challengers moy diñi opposé wu ak li fi nek wala bëgg lenen baña am ay candidature ñu jël parrainage yëpp gonfler ko yëpp ci armoire tej ko pour que buñ ñëwé ñun duñ ko fa fekk mais je est témoin que ces parrainages là ne seront pas déposés, c'était juste du cirque parce que lo xamni ki fi nek avec toute sa grande personnalité mënu ko am. Ce ne sont pas des élèves qui vont l'avoir. On a tout compris. Dans certaines zones où le nombre de parrains est supérieur au nombre de votants. Il y a des tas de kibari. Tas len ko bu baax ñi ñi xam lu xew. Soñ ko tasul man ma wote man tas ko. Lolu motax tay ma ñew également waxtaan ak yeen waxtaan ak sénégalais yépp. Di gëreum di sante sénégalais yi nga xamni ils m'ont fait confiance en parrainant sama candidature. Yomboul, hein? Yomboul. Yomboul, c'est un signal, hein? Je sais pourquoi. Vous comprenez pourquoi c'est ce que je suis en train de dire. Mais si vous voulez faire un parrainage, c'est respecter les normes. Yomboul. C'est très, très, très difficile. Mais taï, moment bi may wax ak yeen, avec les 62 357 parrains, on a respecté ce que nous avons dit, la loi. Et sans doublon. Mon cher, nous avons encore Omar Manglay, Gérard de la Sante, avec équipe. Le délégué national Diaplo di len gëreum di len santé ñëpp ak ñi nga xam ñëpp japp nañ ci tok fi toutes les nuits di liguey pour qu'aucun doublon interne n'existe dans nos fiches parce que jarul ñuy nax ci bopom ay doublon interne boko défé di nga fekk feulé aussi ay doublon externe et puis fir bi mom ñu ñaan yalla rek ñun mu bañ ñu gis ñu ñëw rek romb té defal na ni le préalable a été fait moy sétal yépp la ñuy egg ño xam nak lan liñ fay fekk yalla baxna de façon suñu devoir dañ ko def. Dengan malade, pourquoi je suis candidat? Pourquoi? Parce qu'il y en a vraiment la valise quoi. Je pense qu'Amno Kouranour Légui, plus de 200 et quelques, on a vu du tout. Hein. Des danseurs, des chanteurs, des... Bon, on a vu du tout. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu es candidat. D'ailleurs, je me pose des questions aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi tu es candidat, mais sur quoi tu te bases pour être candidat? Je pense que le peu qu'on m'a donné, nga xamné ñepp ko bok. J'ai montré ci benn poste rek que j'ai été à la disposition de tout le monde, de tout le Sénégal parce que je travaille que pour le Sénégal. Je ne travaille pas pour mon parti, je ne travaille pas pour un président qui m'a nommé, mais je travaille pour le Sénégal. Motax yenn say ñu lama togal ma taxaw. Fi ku ñu abal beut fuñ la né xolal fa ngay xol. En regardant purement et simplement et uniquement tes privilèges. Man nak mom bo ñu may indé certes loxo lay jaar même le président pour ñun élire ko ci ñun la jaar ñun sénégalais jox ko ko muy mëna jël ay décret mon tamit bu jëlé ay décret daf ñu ko tek pour ñu liggéeyal sénégal man ci lool la nekkon ba légui peut-être que tout n'est pas parfait nit rek la mais les sénégalais retiennent quand même que j'ai été à leur disposition partout motax ma ngi leen di gërëm vraiment ci parrainage bi ñuma défal confiance de gis na mi ngi continuer hein? Ça continue. Vraiment, tous les jours, ça arrive. Et jusqu'au 26 décembre, compte tenu du contexte, avec le Conseil constitutionnel décidé, les dépôts vont se faire à partir au dernier moment, pas au dernier moment, mais au plus tard, le 26 décembre. Et jusqu'à là, les parrainages peuvent continuer à venir. Nous avons une sécurité. Voilà. Nous savons que si nous avons des DDI, des doublons, on ne sait jamais. Nous savons que si nous avons des détecteurs, nous régularisé. Mu nek lu sûr donc côté bobu tamit mang ci wo askan bi yeb sénégalais yeb nga xamni surtout mes sympathisants sur cela dama nek candidat comme j'ai dit tout à l'heure parce que tout simplement dama poser acte au Sénégal parce que nek politicien wala nek politique selon
liñ ci japp sénégalais mo lo def lu bax wala lu bon, c'est ça aussi qu'on trouve des bons ou des mauvais politiciens. Moi je suis pas politicien, je suis politique. Je m'intéresse li nga xamni sama réew lepp lo xamni min fi dox ma war ci wax sama xalaat. Sama constance en politique, je pense que ça ne se décrit pas. J'ai commencé la politique bon, en 2001, presque 2000, fin 2000. Fait que le président Watt est déjà assis avec le PLS, le Parti libéral sénégalais, puis son confrère, qui est le dirigeant, Maître Ousmane Gom. Ce qui m'a fait que vous l'ignorez pas parce que vous êtes de la presse. Hier, on est dans sama kër baye sa kenn yegul sa mbokk yegul ñu ñinga ko sékkal yeguñu ko. C'est normal que nga génn ci mom sét wécc mar nan taxul nga nan n'importe quoi motax ma arrêté ñu dem créer par la suite AG Diodna qui s'appelait Alternative Générationnelle tay mu tuddu And Gori toujours AG. Dama nek candidat parce que bu wax jotté nopi cycle am ño xamni ils se taisent pour leurs intérêts. Man sénégalais dong lay xol. Et qui que je regarde dans les yeux, je ne baisse pas les yeux. Je vais vous dire ce que je veux faire. Avec ce que je veux, avec conviction. Récemment, vous l'avez vu, Réoumi n'a pas de chance. Ça s'est un peu calmé. Parce qu'il y a une histoire de troisième mandat, Diap Sénégal, dessous. Il y a une presse avec une déontologie. Sénégalais, ils savent pertinemment que le président Macky Sall allait vouloir faire un troisième mandat. Do tok be 6 mois à mon candidat. Mais bobu wax joté beaucoup sont passés sous la table. Garde sen ay avantages ses intérêts. Bañ ñu dakh len parce que nañ ko wax ñu dakh la. Man yalla la ci sét. J'ai préféré dire la vérité et on m'a mis à la porte. Même pas mal. C'est pas affaire au salaire le yoy ay 5 millions par mois. Lolu fessul sama bëtt. Parce qu'on ne m'a pas trouvé dans la rue pour me nommer directeur général de Dakar 2010. Le monde a gagné France, c'est totalement ce qui s'est fait à Dakar, au Sénégal. Surtout qu'au Sénégal, je sais que c'est un peu partagé. Donc, là, le 25, quasiment, Orange Money va dire, Wave va dire, vous savez de quoi je parle lorsqu'on est DG, ou le social, les Gamouyek, Ziaré. Vous êtes à la disposition de tout le monde. Lors le motard. J'ai préféré prendre mes responsabilités, voir les meilleurs. Et je ne le regrette pas. Il y en a qui en avaient parlé rarement, hein, ils en ont parlé. Ils ont subi le même sort que moi. Mais vous verrez qu'après, ils ont rasé les murs un peu. Hein. Moi, je suis resté là où j'étais jusqu'à présent. Le 3 juillet, c'est le président lui-même, mon nom, Dakar, le Sénégalais, né. Il y a un peu de France, il y a un peu de l'air, il y a défal troisième mandat défal lu la neex mais sedna be sedda lu Moussa Diop waxon moy deug je ne le ferai pas jam rek la bëggalon Sénégal et puis le respect aussi de la parole donnée fi ci bawol sa gemign bu sa kaddu genné sa gemign teunku nga et c'est ça aussi il faut qu'il faut. Donc je tiens à préciser que lolu khalis jënduko la droiture la constance et surtout à tout prix. Parce que si vous regardez ses avantages, vous regardez les proches, mais vous regardez le Sénégal, vous regardez aussi que Gatché. Vous savez, le Sénégal, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Moi, ma peau là, elle est très chère. Je préfère rester constant dans mes convictions politiques. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai aussi posé des actes de bonne gouvernance. 88 milliards, j'ai dit à mon âge. Je suis le seul à signer. Ñaar ñoo doon signer à la société quand on est arrivé. Ma dindiko syndicat yi sax yëngu ñu tuddi naan mais ki lu mu wara def ni certainement amna lu mu bëgg def mais seul à prendre les chèques signer les virements à tout. Vous n'entendrez pas un détournement d'un franc. Les audits sont passés parce que moment bob il fallait le descendre hein, parce qu'il est un peu casse-pied mais ça me tourne fait que Moussa a été redit. C'est normal. Mais rien n'a signalé. Nous sommes pour Khalis, j'étais venu pour l'honneur et pour mon pays. Ce que j'ai partagé aujourd'hui, en toute modestie, je sais que je suis un Sénégalais avec jeunesse, qui sont moins de 19 ans, sont presque plus de la moitié de la population sénégalaise, et moins de 35 ans, sont presque plus de 70%.
il faut ñu topato leen woné nako nak du ci wax parce que l'élection bi du ay wax motax ñu lay denk réew mi say jëf say comportement les actes que tu poses lolu motax tay mën na leen wax ni peut-être les rapports sortiront bientôt, je ne sais pas pourquoi on les bloque d'ailleurs, les rapports au cours des comptes 2017-2020. Il faut exiger, vous, tous les jours, à la une de vos journaux, que nous gagnons, y compris sans boss. Vous verrez que c'est pire que Covid-19. Mais non, on ne le sort pas, on attend après les élections pour le faire. Donc, allez sortir. Voilà, nous pouvons faire le gars, hein. Surtout que j'étais dans une société qui n'était informatisée qu'à 5-6%. Le NEC, c'est liquide. Mais dara manqué wu fa aucun détournement de deniers publics ces actes de bonne gouvernance là nga xamne mën nañ ko ci jël te yombul dans ce pays là sur les deniers publics alors que beaucoup de candidats aujourd'hui sont poursuivis par la clameur publique dajji yo xama dañu duggal sen loxo dañu jël caisse gi dem ak mom ñoo ñew tay di len nane joxat len ñu décret moy nek président pour gérer des deniers publics man je me suis opposé à la candidature de certains et je continue à l'être. Je me suis opposé à leur amnistie. Moi, de mener effacer Ardoise, non. Heureusement que ça n'a pas eu lieu. Et grâce à l'intérêt de Fagio. Mandal, vous faites qu'on ne m'a pas dit que jamais je ne suis pas en fille. Pour résumer ceux qui veulent passer. Nous révisons le procès. Moi, je suis intéressé. Vous en entendez parler, vous? Il faut arrêter de jouer. Ni djël réew mi tek ko ci yoon parce que depuis 1960 ba légui li ñuy gis xam nañ ko. On pense que ça c'est mieux, on essaye. C'est vraiment une catastrophe. Sama profession d'avocat aussi pousse même me oser demander la magistrature suprême. Le droit c'est ce qui doit être, moy lu wara am. Pas lu ñu neex. Droit moy li wara am pas li ñu neex ce n'est ce qui se fait rek c'est la politique ce n'est ce qui doit être c'est le droit man ci droit la nek te defal na nak boy jité nit ñi war leen respecter sen ak sen yelef war nga xam ce qui est permis et ce qui est défendu motax je considère que fi ñu jëm ak li nga xamne tamit motax rew mi wëlbeutiku comme ça ce n'est ce ne sont pas des réalisations on a vu des choses hein. Ils sont faits. Moi, je ne suis pas ni licence du côté réalisation d'ordre matériel par le pouvoir en place. Mais, le djakhase réomi, c'est le kumba amde, le droit, la justice impartiale. Je sais ce que je veux dire. C'est ce homme de droit, je sais que nous pas dire, nous ne sommes pas à dire. Nous sommes dans des dialogues, nous sommes dans des protocoles, nous sommes dans des choses. 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 Il faut une personne qui rassure. Je suis candidat enfin parce que je suis en proposition pour le Sénégalais. Offre programmatique. Pour savoir le problème au Sénégal et je suis basé sur du vécu. Ce que je sais, c'est du concret. Ce qui est des difficultés du Sénégal, je sais que quelqu'un ne sait pas où donner de la tête. Offre Bobo, qui est un point à gagner la côte. Parce que l'élection présidentielle, nous nous rappelons face à face là, entre un homme ou une femme avec le peuple. Face à face. Là. Donc le jeu n'est pas du tout péjoratif. Hein. Faut nous dire. Nous ne sommes pas dans une élection législative. Hein. C'est une élection présidentielle où un candidat, certes avec son staff, propose des solutions de sortie de crise ou même continuité de l'État. Premier point, c'est rationaliser les dépenses publiques. Lorsque vous avez 20 ministres là sortent pas plus. Parce que je ne suis pas un homme de clan. Plus il y a une coalition élastique, au moment du partage du butin, chacun est là, Mantemit, Filay Tahaw, Maïma Ben, Nyar, Nyat, et ça devient la famille à la Erdogan. Moi, je ne suis pas un homme de clan. Ne que l'on fasse ensemble, ne que l'on fasse ensemble. Je l'ai montré à Demdi quand je suis arrivé, j'ai dit au directeur, il n'y a pas de descente, parce que nous avons passé son service. Je passe avec Dame Djoumoudem, je suis gardé avec nous. Je suis dit, soyez à l'aise, je ne vire personne, vous restez directeur. Côté Bélin Djoum, mais désormais c'est côté Bélin. Vous barrez, vous bonnez, je suis là.
je n'étais pas venu pour mes aujourd'hui au Sénégal en matière d'emploi je détiens le record de 1705 CDI. Publié les rapports de la Cour des comptes. J'anticipe. Je ne l'ai pas donné à ma famille, il n'y a pas de népotisme. J'ai donné à tout le monde, Sénégal, région, commune par commune. Je fais un journal, attention, il y a des trucs qui arrivent, postulez. En tant que politicien, si je l'étais, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que les gars et toi, ils recevaient Rick Dawal, vous savez où. Je ne l'ai pas fait. J'étais à la disposition, il faut que vous ayez une bonne. Et dans ce gouvernement que j'appelle le gouvernement de solidarité nationale, GSN, 20 ministres maximum, pas de ministres délégués ou de ministres auprès du ministre, ministre conseiller, ministre d'État et classement de clientèle. Je ferai dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui. Parce que c'est un moyen juste de caser de la clientèle politique. Vous le savez, nous le savons, et eux-mêmes le savent. Le Conseil économique, social et environnemental, pareil. Ce sont des organes consultatifs. Pas de décision. On est d'accord. Ils font des rapports, ils orientent, ils donnent leur avis. Pour donner un avis, il faut être 500. Dans un petit pays comme le Sénégal, ak fumu tollu, ils seront remplacés par un corps bo xamne dépasse 50 personnes. Ils donneront leurs avis et en compte la raison de leur expérience, de leur expertise pour que décision yi jël ñu xam ko. L'Assemblée nationale sera réduite à 100 députés. Moi, madame, moi, je sors des sentiers. Moi, je veux changer de voiture. Je veux changer de route. Parce que ce qui est l'Assemblée nationale que vous voyez là, c'est ça. Les représentants du peuple. Ni du karaté, ni du khaoumalan, ils font n'importe quoi. Vous pensez que c'est ça? 13e législature, ça monte en 14e. Mais il y aura des deux. Parce que nous, nous donnons. Et là, le budget va baisser. Si tu pars de 165 à 100, ça va baisser. Mon budget à la présidence, qui est aujourd'hui de 80,3 milliards, qui était à 71,6 sur 2003, budget 2003, taille yegna pour 2024 à 80 milliards et quelques. Man 50 milliards là, sort le pas plus. À même mesure de tout l'applique. Moi, on n'a pas besoin de 80 milliards, ça salaire beaucoup de président de la République. Avec l'igne qui suit. Ben carotte 300 francs, moitié soupomé 300 francs, soble 300 le won, taïmiga 1200. Les gens souffrent. Les kentogoutoul ndeki, kentogoutoul rère, n'yaki ti fonde bi rère, n'deki bi yangin se benye tchimbe de bi, midi le di jachasso, kakari pour genichi. On le sait, il faut quand même savoir ce qu'il faut mettre, n'y a des solutions. Mais c'est pas aller rendre riches ceux qui le sont déjà. Ensuite, ces mesures que je prends, je ne serai plus chef de parti. Cherchez-vous un dirigeant. Tout de suite. Parce que bon, que chef, président de tous les Sénégalais, n'est qu'aussi un homme de clan, ou de parti, ou de coalition, bon, essayer de l'aider, d'en réveiller. C'est naturel. Je ne dis pas que c'est normal. C'est nul. Et on le voit. L'exemple que je vous donne est très simple. Le président de la République est juge et parti. Arbitre bi nga xamné moy arbitrer match entre deux équipes devant le Conseil constitutionnel. Arbitre bi mo désigner ñep y compris que yoré VAR bi. Y compris la caméra qui regarde ndax but bi franchi na ligne ou pas. Yep, c'est le président qui a désigné ces arbitres là, les sept magistrats du Conseil constitutionnel. Vous trouvez ça normal? Normal. Lolu motax moi, je ne serai pas un homme de clan et je ne l'ai jamais été. Si je suis élu le 25 février 2024, je serai le président de tous les Sénégalais. Inch'Allah.